reprend son tir, c'est passé à la gauche du gardien. De Gauzélier est capable de conserver son adresse. Attention, là, c'est Coursol. Longue sortie de Darvaux, là. Et Darvaux est à la ligne bleue, là. La rondelle qui est libre, reprise par Desrochers. Et Darvaux est de retour devant son filet. Le gardien était rendu à la ligne bleue de son territoire. C'est Mathieu qui a fait les deux autres. Et on revoit la sortie de Darvaux qui ensuite est entré en collision là, avec Soler. Voilà Jacques qui est de son territoire. On attend à la ligne bleue, là, au centre de la patinoire. Jacques, une belle feinte, une deuxième. Ça mène son adverse. Prichepov son tir. Bel arrêt du gardien. Amorla qui vient voler un but à Prichepov. Golionov maintenant, près de l'arrière. Les tirs reprennent. Voilà Desrochers à la pointe. Traîne la rondelle à la ligne bleue. Passe à Prichepov. Prichepov s'avance. Belle remise pour Pellerin. S'avance. Le tir. Et voilà le but. Maxime Pellerin, le capitaine, qui a inscrit le premier but du match. C'est 1-0 les tirs. Il y avait 11 secondes d'écoulé à l'avantage numérique. Alors que le CN utilisé à la gauche, Prichepov est allé d'une superbe passe au capitaine qui bat le gardien du côté de la mitaine, partie supérieure. C'est 1-0 les Tigres. Qui réussit à ressortir là, de cette emprise à deux joueurs, mais la rondelle qui glisse vers la pointe à Gullard pour Coughlin. Tire de loin, voilà le but. Rondelle qui a dévié, ça a touché le poteau à l'intérieur du filet. L'égalité est créée, c'est 1-1. Souci qui a fait dévier l'officier qui était bien placé. On a bien vu la rondelle se loger dans la partie supérieure, tout juste à l'intérieur du filet. Odo est 5 en 9 au chapitre des mises en jeu. Pellerin qui, lui, était 2 en 8. Tire dans la lucarne, voilà le but. Le Sénic qui prend les devants, c'est Dumoulin qui bat Darvaux. Un tir partie supérieure. Et c'est maintenant 2-1, le Cyanic. De la mise en jeu là, dans le match. Là. Dumoulin qui s'est retrouvé avec une rondelle libre à la ligne bleue est allé d'un tir de loin dans la circulation. Ça a déjoué dans le mise en jeu qui est remporté par les Tigres. Michaud à la pointe, se déplace à la ligne bleue. Michaud tente de remettre, là c'est raté. Attention, Mathieu qui va s'échapper. Complètement seul devant Darvaux. Mathieu, son tir, bel arrêt de Darvaux, le retour, il rate la cible. Tente de conserver son adversaire raté. Encore une fois, Mathieu va tenter de s'échapper. Là. Mathieu, deuxième occasion sur son revers, tir, arrête Darvaux. On a l'arponné par. On s'avance vers le filet. Brunet rejoint, hésite quelque peu, se déplace, son lancé, bloqué par Odette. Véro, remet à la pointe pour Robin, pour Brunet. Brunet cherche l'angle, son tir, voilà le but. Et là, c'est Yannick qui marque en avantage numérique. C'est 3-1. Le Yannick, on voit le tir de Brunet hein, qui a dévié sur le patin de Daigle. Le Fendulaire, remise à la pointe. Il n'y a plus de gardien chez les Tigres avec 2 minutes et des poussières à faire. Des Groseliers pour Desrochers. De l'autre côté pour Prichepov. Prichepov, son lancé. Voilà le but. Nikita Prichepov. Les Tigres nous ont habitués à ça, là. C'est pas fini ce match-là. Avec 2 minutes, 1 seconde à faire à la troisième. 14 lancés. Passe à Prichepov. Prichepov laisse à Golionov. Golionov, territoire adverse, il a été devancé. Alors, jeu retardement. Rondelle repris par le Cyanic. Dégagement dans le filet. Carl Mallette est dans tous ses états derrière le banc de son équipe.